Hello, petit point de news de la chaîne, ça fait un bail que j'ai pas fait ça. Déjà, gros point, on a déménagé, pas trop loin de là où on était, mais surtout plus grand. On a maintenant une grande table de jeu et plus de facilité pour enregistrer. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs, il n'y a pas de nouveau contenu sur la chaîne. J'entends par là, pas de nouveau contenu de jeu de rôle, enregistré récemment. Là, j'arrive à la fin de mon stock de la campagne crossover Under a Blood Red Moon, qu'on a enregistré entre les deux confinements. D'ailleurs, si vous entendez un petit son parasite, c'est le ventilo. À cette période, il faisait tellement chaud, surtout assis dans une pièce, à jouer une aventure pleine de drama. Bref, il me reste 3 épisodes, 2 que je passerai ce jeudi, dont un particulièrement puissant. Et la semaine prochaine, ce sera le final avec un gros épisode de 2h30, je pense. Avec enfin un moment très attendu, la rencontre de la coterie avec la meute de Lupin. J'ai hâte de publier tout ça, c'était vraiment un excellent week-end de jeu de rôle. On essaye actuellement de trouver une date pour jouer la suite, mais c'est pas simple, on croise les doigts pour que les étoiles s'alignent. Je disais du coup, pas de nouveau contenu en termes de partie, merci le Covid. On a tout de même enregistré un podcast sur mon scénario de Sombre, et si l'occasion se présente, on recommencera, c'était bien cool à créer. Pas de JD Bière, de jeudi JD Bière à l'horizon pour le moment, hélas, mais quand on pourra, on fera ça en beauté, déjà dans le nouveau salon, mais aussi avec les 1000 sujets de jeu qu'on a accumulés avec le temps. D'ailleurs, je voulais remercier les éditeurs et les auteurs qui m'ont envoyé leurs jeux. Je n'ai pas oublié, on attend juste de pouvoir sereinement enregistrer l'émission en physique. Les discussions éméchées entre potes, ça fonctionne pas trop sur Discord. Je saute de sujet, parlons rapidement de Tuer un sorcier. L'écriture est en pause actuellement. En gros, avec mon activité professionnelle, je peux avoir des temps off assez importants. Et c'est dans ces moments-là que je peux facilement consacrer mon énergie à l'écriture. Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais très bientôt. Janvier devrait être assez calme et je pourrai enfin avancer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le Discord, j'ai partagé là-bas une refonte du système de relance pour donc 1 à 3. Je vous la mets en description. Janvier sera également l'occasion de refaire des lives, illustrations j'espère, mais également de passer un coup de projecteur sur vos créations. Elles commencent à s'accumuler, il faut vraiment qu'on en discute. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, je suis invité samedi, donc ce samedi, à la convention virtuelle Relevant. C'est le premier numéro, comme à la Superconf, il y a un bundle caricatif qui va cette fois-ci pour les Blues Roses et la Fondation Théodora. Tout est sur leur site, pareil, je vous mets le lien en description. Du coup, je serai samedi sur 2 conférences, la première à midi sur le thème de l'idée au livre, la création d'un jeu de rôle de A à Z, et la seconde sur à 20h sur podcast de jeu de rôle. Il y aura du beau monde, ça va être top. C'est tout pour moi et pour cette news. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. La chaîne grossit tranquillou et ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte, mais vraiment, de pouvoir rejouer en physique. La suite des aventures de la Compagnie Écarlate, des campagnes de vampires, de loups-garous, de Dark Age, mais aussi de lancer des nouvelles choses comme Mage. Bref, vivement que tout se calme. Merci de votre fidélité, bienvenue au nouveau, et à bientôt.